Vous regardez RTL. Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Un ciel bleu clair, c'est ce que nous dit l'INSEE pour la météo des mois à venir. Oui, le ciel qui s'est largement dégagé au point que l'INSEE réévalue son estimation de croissance pour 2017, l'année en cours, à plus 1,9%. Et que ce sera probablement du même niveau en 2018. Ça fait 6 ans que la France n'a pas approché cette barre de 2% de croissance annuelle. Une croissance qui est d'ailleurs largement partagée dans la zone euro, où le climat des affaires n'a pas été aussi bon depuis, tenez-vous bien, 17 ans. Alors la question que tout le monde se pose, quelles conséquences cela aurait-il sur le chômage ? À court terme, malheureusement assez modeste. Il y aurait bien des créations d'emplois, mais comme parallèlement le gouvernement supprime ce qu'on appelle les emplois aidés, le chômage ne baisserait qu'à la marge, en fait de 0,1% à la mi-2018, ce qu'il porterait à 9,4% de la population active. Un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, nous n'aurons donc qu'une baisse du chômage de l'ordre de l'épaisseur du trait, malgré la reprise de l'activité. Va-t-on voir notre pouvoir d'achat progresser, François ? Les salaires restent dynamiques, avec une hausse d'un peu plus de 2% en 2017, tendance identique pour l'année qui vient. Mais le pouvoir d'achat devrait quand même marquer le pas en 2018, début 2018, sous l'effet de deux facteurs qui vont le faire diminuer momentanément. Un, la hausse des impôts pour les ménages, hausse de la CSG et les taxes sur le tabac et l'essence qui interviendront en début d'année, alors que une bonne partie des baisses, les baisses ne seront intégralement mises en œuvre qu'à la fin 2018, avec notamment la réduction de la taxe d'habitation. Et puis deux, reprise de l'inflation sous l'effet de la remontée des cours du pétrole. Tout ça nous fait un début d'année un petit peu délicat sur le plan des revenus. Ça veut dire que la consommation qui fait l'essentiel de la croissance en pâtirait ? Pas forcément, nous dit l'INSEE, parce que les ménages tireraient un peu sur leurs réserves, leur épargne, dans l'attente des baisses d'impôts programmées. Bon, tout ça, ça nous fait un tableau qui n'est pas mauvais, dites-moi. Oui, vous vous souvenez qu'il y a un an, on disait ici même que le moteur français était passé en seconde, après plusieurs années où il avait octé en alternant la première et le point mort, eh bien cette fois-ci, on passe la troisième. Ça n'est pas encore la pleine vitesse, mais nous avons incontestablement accéléré. François Langlais pour l'Angléco, tous les jours sur RTL. Qu'est-ce que vous nous faites écouter là ? C'est une belle accélération. Ah, c'est l'excellent. Oh là là, illustration qui me permet d'annoncer l'arrivée dans ce studio du Premier ministre Édouard Philippe. Bienvenue, monsieur le Premier ministre. Dans quelques instants, vous répondez aux questions d'Elisabeth Martich.